vivre votre foi. Je suis un être humain comme vous. Dieu m'a seulement fait la grâce, c'est tout. Si vous avez la foi, vous verrez Dieu pleinement aller dans votre vie. Vous n'avez pas forcément entré, à besoin de rentrer dans un bureau pour parler avec le prophète. Mais Dieu fera de grandes choses dans votre vie si vous avez la foi. Bien sûr, en lui. Parce que Dieu est capable. Il est souverain. Il va vous délivrer. Parce que c'est sa volonté que vous soyez délivrés. C'est dans le plan de Dieu que vous soyez guéri. Amen. Dis juste à quelqu'un à côté, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Dis encore à quelqu'un à côté, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Tu crois à sa délivrance? Amen. Amen. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Viens. Elle aime Jésus parce qu'il peut guérir. C'est tout. C'est comme ça que tu aimes Jésus. J'aime Jésus parce qu'il peut guérir. Parce qu'il fait des grandes choses. Parce qu'il a été le premier d'aimer. Tu vois? On l'aime parce qu'il a été le premier. J'explique. Il n'a rien vu de bon en nous. Rien qui l'a poussé, juste par amour. Plein de défauts nous sommes, plein de vilaines choses nous sommes, mais il nous a aimés, malgré ce que nous sommes. Il nous façonne, nous transforme et fait de nous des personnes meilleures. Dieu prend des fourriers. Il ne prend pas des gens qui sont importants. C'est pour ça qu'il dit, je suis le médecin. Et le médecin, vous savez quand Le médecin utile quand il est malade. S'il n'y a plus de malades dans une ville, mais le médecin il a oublié de partir. N'est-ce pas? Il n'a plus son utilité. Voilà, Jésus est comme le médecin. Il est venu pour nous les malades. Dieu m'a parlé beaucoup de toi cette nuit. Il t'a appelé à travailler pour lui. Aïe! Agit dans ta vie. Satan veut détruire cette œuvre en toi. Mon oreille me fait mal. Mon oreille me fait mal. Mon oreille. Mon oreille me fait mal. Qui va être béni ce soir? Qui va être béni? Dieu va visiter chacun de vous. Mon oreille. Mon oreille. Madame, venez. Vous êtes d'où là? Hein? Un boulot. Boulot d'où? Celui qui venait des Zénou là, c'est ça? C'est qui là? Vous êtes boulot d'où? Vous croyez que Dieu va vous guérir? C'est sûr? Vous croyez à votre guérison? Vous croyez à ça? Je suis fatiguée. La chair. La chair.
Et va. Va-t'en. Va. Claude! Allez. Va-t'en. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te délivre. Maintenant. Maintenant. Jésus te délivre. Vous suivez sa délivrance dehors. Vous suivez sa délivrance. Allez, prenez-la. Ah. Elle est lourde, mais c'est le travail. Quelqu'un qui est possédé, vous voulez la trimballer, marcher avec elle. C'est quelle histoire ça? Vous croyez que Jésus peut vous délivrer? Amen. Tu crois à sa puissance? Amen. 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 Vous croyez que le sorcier ne va pas vous manger? Amen. C'est dans vos têtes. Vous êtes venu vous confier à Dieu. Vous n'êtes pas vous confier à quelqu'un. Même si vous n'êtes pas rentré dans le bureau du prophète, Dieu connaît vos problèmes. Amen. Il dit, ah non, le prophète, mais je ne suis pas rentré dans son bureau. Le bureau, il y a quoi là-bas? Dieu, il est puissant. Amen. Tu n'es pas rentré dans le bureau, Dieu te connaît. Tu es rentré dans le bureau, il te connaît. Amen. La seule chose, il faut avoir la foi. Amen. Il faut croire que pendant qu'on prie, Jésus vous délivre. Amen. C'est ça qui est le plus important. Vous devez croire à votre délivrance. Et personne ne doit vous distraire. Quelque chose ne doit pas vous distraire. Vous devez croire à votre délivrance. Parce que Dieu est souverain. Amen. Amen. Je crois que Dieu va vous délivrer. Amen. Impose, amen, impose ta main à ta tête, simplement. Pendant que ta main est posée à ta tête, un miracle de Dieu vient jusqu'à toi. Et Jésus te sauve. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Il te guérit. Il te guérit. Jésus te guérit. Jésus te sauve. Jésus te sauve. Il te touche. Sa puissance te touche. Jésus te touche. Je parle aux démons maintenant même. Vous qui habitez ce corps, vous qui animez ce corps, vous, les démons, les forces des ténèbres, l'esprit du célibat, l'esprit de mort, je m'adresse à vous maintenant. Vous libérez ces personnes présentes maintenant. Quittez le corps. Allez! Je vous chasse! Toi, démon, sors! Je condamne la présence des démons dans le corps. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus vous touche. Mon Dieu vous touche. Reçois ton miracle. Jésus te touche. Jésus te touche. Dès que je vous touche la tête, vous partez. Vous quittez là. Vous cédez la place à d'autres personnes. Celle-là que vous attendez avec votre maman, votre grand-mère, il y a des choses à faire. Il y a des choses aussi à faire, votre grand-mère, votre maman. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Allez, lâchez-la. Comme lâchez sa vie. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Jésus te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Recevez la délivrance. Et maintenant, au nom de Jésus, recevez la délivrance. La puissance de Dieu vous touche. Sa puissance vous touche.
Jésus te touche. Jésus te touche. Sa puissance te touche. Jésus te touche. Jésus te touche. Sa puissance te touche. Lâche. Lâche. Puissance. Lâche. Lâche. Fais suivre. Fais suivre. Allez. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Lâche-la. Esprit et ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu grâce au pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu grâce au pouvoir dans ce corps. La puissance de Jésus grâce ton pouvoir dans ce corps. Détruis ta présence. Puissant de la sorcellerie et puissant des ténèbres. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir dans ce corps. Cause de la délivrance. Dieu te touche. Comment? Allez! Un feu! Le feu sur toi. Le feu! Feu! Au nom de Jésus, soulevez-le rapidement la délivrance. Les garçons sont où? Attends. Allez, réfléchissez-vous. Allez. Jésus nous touche. Et la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu te touche. Jésus te touche. Sa puissance te touche. Laisse, attends, suite. Laisse, laisse, allume, allume, allume. Non, allume, allume.
Attention vos bras. Hein. Je vais pas vous transférer qu'on a mis ça en marche. Merci Jésus. Merci Jésus.
puissance. Secrétariat, les deux, là, j'ai besoin de... Non, non, venez. Les deux, après. Après. Allez, non. Envoyez les pagnes, qu'est-ce que ça fait? Feu! Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance de Jésus. Tu la libères. Dans le nom de Jésus. Tu la libères dans le nom de Jésus. Proclame ta délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus.
Mettez la main sur la tête. Le feu sur toi. Attention son bras. Allez son bras. Là, c'est pas, ils sont pas compétents. Amène-la à la délivrance. La puissance de Jésus. Commence à initier ta femme à la sorcellerie. C'est ce que je viens de voir. Comment? Hey! La puissance de Jésus. Comment? La puissance de Jésus. Feu! Feu! Puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Comment? Comment? La puissance de Jésus. Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Voilà la délivrance. Sa puissance te libère. Attendez, papa, papa. Le feu, la main. Comme la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Jésus, Jésus,
Jésus te délivre. Mettez la main sur la tête. Je prie que la puissance de Jésus-Christ vous visite. Et je commande aux forces des ténèbres de vous lâcher. Et maintenant même, la puissante main de Jésus-Christ vous libère. Merci pour la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Et merci d'agir pleinement. Au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?